peut faire? Bah, on va se décaler un peu. Ben oui. Notre candidat et ceux qui sont venus avec nous. Et Dieu sait que les malheureux en bas. Meeting de Nicolas Sarkozy en Ile-de-France avant le premier tour de la primaire. Merci de voix. Ici, Nicolas, nous avons gagné. Je veux saluer ici la présence de nombreux élus de la ville de Saint-Maur et bien sûr de nos députés également. Maire de Thiers, merci Lucas Hidalgo. Qui veut avec la fermeture des voies sur berge, cher Nicolas, que nos entreprises, que nos artisans, que nos salariés viennent notre cadre de vie, à préserver la liberté, à gérer les réformes, à s'accommoder d'arrangements avec sa majorité, rouge, rouge. Le contexte est difficile, il est contraint, il est risqué, il est changeant. Le Brexit, l'élection de Donald Trump, partout sont notre fierté. Mais les Français, ils peuvent celui qui nous y conduira. Mes chers amis, cher Sylvain, cher Christian, chers amis, c'est celui de la vérité. Tout dépendra de notre capacité à un diagnostic. Il n'y a pas de remède possible. Pour moi, c'est clair. La France est face à des défis. Les victimes et leurs familles ont besoin du soutien de la communauté nationale. Mais le devoir d'un homme d'État, c'est pas simplement de commémorer. Seul de la République française, on puisse se dire français, se sentent moins intégrés que leurs grands-parents qui n'avaient plus ces devoirs. Quand on est en France, on parle le français. Quand on est en France, on adopte la culture française. On adopte l'histoire. Et quelle que soit l'ancienneté de sa famille, on parle de dire français. C'est une obligation. Et si on ne veut pas vivre comme un... alors qu'on ferait bien mieux d'investir dans un plan Marshall pour développer l'Afrique et que demain les jeunes Africains aient du travail sur le continent qui l'a besoin, c'est ça le choix de la société qui est la même. Et ce moment, il est là. L'Afrique nous aide dans la lutte contre les filières d'immigration clandestine. Une seule société, un seul groupe, une seule famille qui peut fonctionner sans qu'il y ait un minimum d'autorité. Elle est où l'autorité de l'État? Les Vénéens qui sont là à l'entrée et qui menacent celui qui travaille, elle est où l'autorité de l'État? Elle a disparu. Tous ceux qui sont dans la salle pensent on est en train de vivre moins bien que nos parents, mais surtout, on est certain que nos enfants, demain, vivront moins bien. Je veux être le candidat de cette classe moyenne. Je veux être le premier et qui a cassé la politique familiale de France. Je veux être le candidat qui dit à ses familles. Vous voulez ça jusqu'au début septembre? Quelle famille de France peut assumer ce poids-là, cette charge-là? Et en plus, on supprime les allocations familiales.
Et en plus, on plafonne le quotient familial. Et en plus, on augmente les charges sur les emplois familiaux. Et comment elles font ces familles? Tout le monde n'a pas que lui, ce président. Et encore. Franchise d'impôts sur les successions, le fruit d'une vie de travail. C'est ça la justice. Elle est là la justice. Je veux que la France tourne le dos. Vous m'entendez bien, je veux que la France tourne la propriété avec le patrimoine et même avec l'héritage. Je veux d'ailleurs dire. L'État, je veux que vous soyez fiers, Jean-François, qu'il faut apprendre cela. Je veux une école de l'excellence, où le gosse de la famille pauvre est en tant que l'aide. Je veux une école où on respecte le maître. Je ne veux pas aller d'une école où le but premier est d'apprendre à mouvoir son corps dans l'espace. Utiliser la lecture. À nos industriels, à nos chefs d'entreprise et à nos agriculteurs. L'Europe doit défendre, qui est le nôtre aujourd'hui, dit cela. Ce n'est pas pour faire plaisir. Voilà, non, je ne sais pas. Quel sera le personnage de M. Macron? Je vous en ai dit que. C'est se couvrir parce que des gens d'un autre monde ont décidé que le corps de la femme était une insulte. Chers amis, tous les deux pensent que le vice-président du Conseil. La France et en France, il n'y a pas de rêve pour les femmes dans les piscines et donc pour les hommes. En France, à l'hôpital, l'oncle, le grand frère, qui connaît sa vie. Qui a aimé, qui a travaillé, qui a bâti le pays qui est le nôtre, qui doit être tombé, la solidarité ne sera pas. Voilà ce qu'on a dit. Voilà ce qu'on a dit. C'est pas au bout pour moi.